Ce n'est pas simple de pouvoir porter correctement un masque, c'est pourquoi on va voir ensemble quelles sont les bonnes pratiques pour qu'il soit efficace. Avant de mettre son masque, il est important d'avoir les mains propres. Donc soit je me les lave à l'eau et au savon, ou soit je mets du gel hydroalcoolique. Pour un masque chirurgical, veillez à ce que la partie bleue soit placée à l'extérieur et que le bord rigide soit sur le haut du masque. Pour mettre votre masque, tenez-le d'abord par les élastiques. Placez-le sur votre visage, puis vérifiez que votre nez et votre bouche sont recouverts. Mettez les élastiques derrière vos oreilles, puis pincez le bord rigide au niveau du nez. Dépliez ensuite le masque sous le menton pour qu'il soit opérationnel. Veillez à ne plus toucher votre masque pendant que vous le portez. Attention également aux mauvaises pratiques qui rendront le port du masque inefficace. Le masque doit être porté 4 heures maximum. Au moment de le changer, lavez-vous les mains à nouveau, puis saisissez les élastiques. Veillez à le mettre directement dans une poubelle adaptée et fermée. Le port du masque est important, mais ne remplace en aucun cas les autres gestes barrières comme le lavage de mains ou la distanciation sociale d'1 mètre.